Un groupe AMI sont l'ensemble de tous les adhérents d'une congrégation, d'un diocèse. On les regroupe pour former un groupe et comme ça, c'est une personne ou deux personnes qui gèrent les dossiers de tous les adhérents. Alors, nos sœurs se trouvent dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Amérique, en Europe. Et le fait que la congrégation a pris une décision de gérer l'ensemble des sœurs au niveau de leur santé facilite énormément les prises en charge pour les soins de santé. Quand elles sont malades, elles savent qu'elles peuvent avoir accès aux soins là où qu'elles soient et que les frais seront payés et remboursés au niveau de la section. D'abord, nous avons fait une très grande conscientisation au niveau de nos sœurs pour les éveiller à leur responsabilité face aux soins de santé. Donc, lorsqu'elle va chez le médecin, elle s'assure qu'elle a la feuille de soins de l'EMI avec elle. Elle les fait signer. Elle prend l'ordonnance et tous les autres papiers qu'elle peut en avoir besoin, par exemple, les labos, les prescriptions médicales, etc. Une fois qu'elle a complété tout son dossier, elle envoie à la secrétaire de la section qui s'en charge pour faire les demandes de remboursement à l'EMI. L'option 5, c'est une option qui a été mise en place pour permettre aux personnes, donc aux congrégations ou aux diocèses, qui n'ont pas nécessairement les moyens de prendre des options plus coûteuses et qui se chargent de payer les frais d'hospitalisation. Donc c'est une option qui est très peu coûteuse, mais qui permet l'accès aux soins médicaux, finalement, aux personnes, congrégations, diocèses, qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers.